Et lui, c'est un petit peu le chouchou du public hongrois. Il avait conquis son premier titre européen il y a 10 ans à Budapest. Et vraiment, on a senti dans la patinoire qu'il était soutenu malgré sa grosse contre-performance. En Russie aussi, c'est marrant, il a une excellente cote de popularité en Russie alors qu'il a été tout au long de sa carrière le rival de Yevgeny Plushenko. Huitième de ces championnats d'Europe. C'est sa moins bonne place depuis une bonne décennie à Brian Joubert. Il a toujours autant de plaisir à être sur la glace et il va vous le prouver avec ce programme de gala sur une musique de Chris Brown, Beautiful People. Un baiser, peut-être un baiser d'au revoir. D'adieu. Oui, d'adieu. Sur une musique du finlandais Darude, Sandstorm, tempête de sable et des grains de sable. Il y en a eu plusieurs hein, ici à Budapest pour Brian Joubert, qui reste malgré tout un super compétiteur. 10 médailles européennes, certes pas d'or, pas toutes d'or, 3 médailles d'or pour lui. À ce petit jeu-là, Evgeny Plushenko est bien devant. Il a réussi à obtenir 7 médailles d'or, lui, et 3 d'argent. Le plus titré des Européens, c'est Ulrich Salko, Celui qui a donné son nom au saut. Eh oui, lui, il a 10 médailles, mais 9 d'or contre une de bronze. Ouais, comme c'était difficile, pas la même époque, ouais. C'est difficile de comparer. Ouais, ce sera difficile à égaler également.